Billy, les champions, tu es le roi. Sport Billy, on admire tes exploits. Rien ne m'empêchera de me débarrasser de cette peste de Sport Billy. Zip, allume l'écran. J'ai hâte de voir si mon piège diabolique fonctionne aussi bien que je l'espère. Vos désirs sont des ordres, votre ignominie. Mmh. Dépêche-toi, je ne vais pas attendre 107 ans. Je me demande si Billy est arrivé en Chine où il doit disputer des championnats de ping-pong. Je suis rudement fier qu'on m'ait demandé de faire un discours au banquet de la sportivité internationale, oui. Ça me rappelle le temps où je récoltais tous les honneurs. Hein? Et moi, ça me rappelle le jour où tu avais posé tes haltères sur la table d'un banquet et que tout s'était écroulé. Sporticus s'appelle Sport Billy. Ici Sport Billy. Bonjour, Pandusa. Bonjour, Billy. Sporticus se demandait si tu approchais enfin de la Chine. Je vais atteindre le continent dans quelques minutes. Il tient à te dire combien nous sommes heureux que vous soyez, toi et ton ami Tsung, les hôtes d'honneur de la Chine. Je vous interromps. Willy a détecté une anomalie sur l'écran radar. Situation critique, Sporticus. Nous recevons un signal de détresse à faible distance du vaisseau temporel. Tu peux préciser la distance? 17 km nord-est. Je vais voir si je peux te venir en aide. Merci d'avance. Mission urgente, le banquier attendra. Reste encore à savoir si mon estomac pourra attendre, lui. Le signal de détresse, on doit être tout prêt. Regarde, en dessous de nous, un super tanker. Il a l'air de dériver à l'abandon. Allons, je tiens un coup d'œil. Et pourquoi on n'y jetterait pas un coup d'œil de très très loin? Personne à bord. Oh, c'est sinistre. Je vais inspecter par là. Et moi de ce côté-ci. Et moi, je crois que je rentre me coucher. Oh, oh bébé, qu'est-ce qui se passe? Les murs sont aussi glissants qu'une savonnette. Impossible de grimper, il n'y a rien pour s'accrocher. On est tombé dans un piège. Exactement là où je voulais vous attirer. Et maintenant, déclenchons la suite de mon plan. Zip! Oui, oui, ma monstruosité vénérée. Appelle-moi tout de suite, mon Vandal. Ah oui, oh, tout de suite, votre abomination. Vandal! Mais non, tête sans cervelle, l'écran. L'écran, je te dis. Oh, j'ai compris que je suis stupide, hein, votre horreur. Oh, l'écran, eh oh, l'écran! Tu vas voir ce que tu vas voir. Est-ce que tu es tout à fait prêt à prendre la place de ce misérable Sport Billy? Avec la joie la plus satanique, votre horreur. Alors, qu'est-ce que vous en dites, hein? Mais c'est Sport Billy que je m'enlève. Silence, pauvre serin. C'est parfait, tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Maintenant, écoute-moi bien. Voici quelle est la mission dont je te charge. Tu vas te rendre en Chine et tu prendras la place de Sport Billy au tournoi de ping-pong. Et ensuite, tu feras tout pour ruiner totalement la réputation qu'il a de bon esprit sportif. C'est comme si c'était déjà fait, votre majesté. Prenez garde à vous, Chine et Chinois, j'arrive. Réjouissez-vous, mon grand ami Sport Billy va bientôt arriver. Bonjour, il paraît qu'on me demande. Ah, Sport Billy, quelle joie de te revoir. Ton humble ami Tsung te souhaite la bienvenue. Bonjour, mon vieux. Quel est le programme? Tout à l'heure, tu présideras au grand banquet donné en ton honneur.
Épargne-moi ce genre de détails alimentaires, je m'en contrefiche. Dis-moi plutôt ce que je vais recevoir. Recevoir? Oui, tu as le cerveau lent. J'aurai quoi comme récompense? Oh, le vainqueur du tournoi de tennis de table recevra une superbe médaille d'or. De l'or? Ça vaut donc le coup de gagner. On fait une petite partie pour s'entraîner? Avec un très grand plaisir. Alors, allons-y. Allez, dépêche-toi. J'ai pas l'intention d'attendre 107 ans. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne sais plus tenir une raquette? Tu te conduis d'une manière tout à fait étrange, Billy. À cette parole, joue! Oh, ta balle n'a pas touché la table. Un point pour moi. Oh non, ce point me revient, j'ai touché la table. Oh. Allons, voyons, tu ne donnes pas le bon exemple à ces jeunes enfants. C'est toi qui as peur de perdre, espèce de mauvais joueur. Oh, voilà une drôle d'idée. Je t'en prie, ne dis pas des choses pareilles. Avoue que tu crains de perdre la face devant ton public. Je vais disputer une dernière balle contre toi. Si c'est moi qui gagne, tu t'en iras aussitôt. Bravo, d'accord, tu es le plus fort. Mais tu nous as déçus par ton attitude aussi peu sportive. S'il te plaît, quitte la salle. On se reverra au banquet, monsieur le perdant. En attendant, garde ma médaille d'or au chaud. Avant même que j'ai terminé ma mission, le véritable sport Billy sera banni de la Chine pour le reste de ses jours. J'ai comme l'impression qu'il va nous arriver des choses désagréables. Le bateau va couler d'un instant à l'autre. Trouvons vite un moyen de nous échapper d'ici. Je crois que je viens d'avoir une idée. Oh, ça t'ennuierait pas de te dépêcher un peu? J'ai pas tellement envie de finir comme repas pour les poissons. Mesdames d'abord. D'accord, c'est moi qui vais la première. Autour du meilleur ami de l'homme. Ah, c'est où je vais avoir la grosse tête. Maintenant qu'ils sont en sûreté, à moi de sauter. Bien cassé, tout va bien? Tout va bien, mais regarde là-bas. Oh, j'ai bien failli ne plus jamais frétiller de la queue. L'eau monte à toute allure. Trouvons vite un canot de sauvetage. J'abandonnerai pas ce navire. J'ai réfléchi. J'abandonnerai quand même ce navire. Belle. Ce naufrage ne s'est pas produit par hasard. Et je crois savoir qui a pu le provoquer. Vanda! Ils n'ont vraiment pas l'air très accueillants, tu ne trouves pas, Lily? Peut-être qu'ils ne te reconnaissent pas. Quelle créature de rêve! Ravi de vous connaître. Voulez-vous un petit os? Eh bien, ce sera pour une autre fois, peut-être. Oh, quelle frousse, mes amis, ces deux-là, c'est la belle et la bête. Billy, regarde un peu. Qui a bien pu faire une chose aussi affreuse que ça? Il semblerait que quelqu'un ne me porte pas dans son cœur. Quelle atmosphère sinistre! Mais que se passe-t-il donc? J'aimerais bien le savoir. Je ferais peut-être mieux d'entrer tout seul. Willy et toi, vous m'attendrez ici.
voilà le petit saint qui arrive juste à l'heure pour assister à sa déconfiture. J'ai hâte de voir ça. Oh, j'espère qu'on va vite se mettre à table. Je commence à y voir double. Merci. Oh. Tiens donc. Ainsi, tu es revenu. Zoom, quelle joie de te revoir. Ton attitude contraire à l'esprit sportif s'est ébruitée. Elle a atteint le comité du tournoi. Ils veulent te disqualifier. Mais que signifie cette décision? J'ai été invité par la Chine tout entière. Et toi aussi, tu m'as invité. Je ne m'attendais pas à ce que tu montres un aussi mauvais exemple à la jeunesse de ce pays. J'ai montré le mauvais exemple? J'avoue que je comprends de moins en moins. C'est surtout moi qui ai du mal à comprendre. Nous discuterons de ça plus tard. Le tournoi a commencé. Alors, est-ce que tu as découvert ce qui se passe? Ne parle pas si fort. Prends ça. C'est quoi cette raquette? C'est ma raquette de compétition. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je te la confie jusqu'à ce que le tournoi ait débuté. Pourquoi faut-il que je la tienne? Eh ben, tu me porteras chance. Cette histoire sent mauvais. C'est à nous deux maintenant. Ne te montre pas trop méchant au début. Je me sens encore un peu rouillé. Billy? Oui, Cathy? Voici ta raquette. Mais... Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Ça va marcher. Oh, ça c'est vraiment une partie passionnante. Mes yeux trouvent aussi que c'est passionnant, mais... Mon nez me dit que ça sent de plus en plus mauvais. Eh bien, c'est donc de cette manière que tu comptais remporter le tournoi en trichant? Tu te trompes! Cette raquette ne m'appartient même pas. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me l'as confiée toi-même pour te la remettre avant le début du tournoi. Quoi? Répète, j'ai du mal à comprendre. Ça suffit! Je viens de te prendre en flagrant délit de tricherie. Tu seras disqualifié de ce tournoi et interdit de séjour en Chine. Et maintenant, j'achève ma mission par un superbe coup d'éclat. Regardez, la médaille d'or a disparu. C'est lui qui l'a volée. Non! C'est absolument faux. Fort Billy est incapable de tricher ou de voler. Ça, je peux vous l'assurer. Non seulement ça sent mauvais, mais c'est une anguille sous roche que je renifle. Zoom, défends-moi, je suis ton ami, voyons. Ah non, alors, moi je ne suis plus ton ami, et je ne veux plus jamais te revoir. Garde, emmenez-le. Écoute-moi, je te jure que je n'ai rien fait de mal, je suis innocent. Arrive au triple galop, allume vite l'écran, mon vandale est en train de m'appeler. Et tout de suite, votre abomination, vos désirs sont des ordres. Mission achevée et réussie. Sport Billy a-t-il été discrédité? Non seulement toute la Chine le considère comme un affreux tricheur, mais aussi comme un voleur. Regardez ceci! Bravo, excellent travail. Et comme récompense, je t'autorise à conserver cette médaille d'or. À présent, quitte immédiatement la Chine avant qu'on se mette à suspecter quoi que ce soit. Oh, si je n'étais pas aussi diabolique. Je crois que je plaindrais presque ce pauvre petit sot pour tout ce qui va lui arriver comme ennui. Alors? Alors, ça va mal. Toute cette affaire n'a pas le moindre sens. Oh. Tu es l'ami de Billy. Il faut que tu le soutiennes. Je ne suis plus son ami. Il est coupable de tricherie et pire, de vol. C'est certain que les apparences sont contre lui, mais nous savons bien tous les deux qu'il est franc et honnête. Les faits sont les faits, et ils se sont déroulés devant nous. Mais voir, ça ne veut pas toujours dire croire. Il arrive que les choses soient différentes de ce qu'elles paraissent. Et la foi, alors? Hein? La foi? La foi en un ami. Ce qui fait qu'on reste à ses côtés quand il a des ennuis. Ça, c'est la véritable amitié. Ah oui, tu as tout à fait raison. Si je suis vraiment l'ami fidèle de Sport Billy, je ne dois pas lui tourner le dos en ce moment. Qu'il soit coupable ou innocent, je vais le faire sortir de prison. Merci de m'avoir fait libérer tout. J'ai agi à contre-cœur, crois-le bien.
mais je tenais à te donner une chance de prouver ton innocence. J'espère que l'ordinateur a quelques idées sur ce sujet. Nous avons fourni toutes les données que vous nous avez remises. L'analyse est terminée. Il n'existe qu'une seule explication possible. Alors, quelle est-elle? Il y a deux Sporbili. Est-ce que c'est possible? Willy pense que oui. Oh oui, oh, oh, oui. Et cette solution expliquerait des tas de choses curieuses. Quelqu'un se serait fait passer pour toi, mais qui? Seul Vanda, avec son esprit maléfique, est capable d'avoir manigancé un tour aussi pendable. Je parierais qu'elle a demandé à un de ces vandales de prendre ma place. Ça expliquerait pourquoi tu avais l'air si différent. Mais comment parviendrons-nous à le prouver? En démasquant l'imposteur. En effet, ce sera le seul moyen de te disculper aux yeux de tous. Et comment le retrouverons-nous? J'ai toujours dit que Willy était le roi des limiers. Heureusement que le vandale a laissé son odeur sur le manche de la raquette de ping-pong. Excellent travail, Willy. Il a découvert une piste. Moi, je sens un vandale à des kilomètres à la ronde. Ensuite, alors, ils m'ont trouvé. Regardez, il est là. Le temps qu'il réussisse à sortir de là, et je serai déjà dans mon vaisseau sur le chemin de la Vandalusie. Il est en train de s'échapper. Il faudrait que j'arrive à franchir cette muraille. Non, je suis enfin tranquille. Enfin seul. Tu ne pensais tout de même pas nous quitter si vite. Pas question de te sauver avant de nous avoir tout avoué. Oh, oui. Oh, pas possible, je dois être au paradis. L'imposteur a été jeté en prison. Et les manigances de Vanda pour jeter le discrédit sur l'amitié et la sportivité sont à l'eau. Elle doit être furieuse. Et si mon fidèle ami ne m'avait pas soutenu alors qu'il me croyait coupable, le Vandal aurait pu s'échapper. Les amis doivent toujours s'entraider, en toutes circonstances. C'est un devoir que j'ai failli oublier. Tu t'en es souvenu, et c'est cela le plus important. Cette récompense devrait s'appeler la médaille de l'amitié. Tu la mérites bien plus que moi, cette médaille, Tsung. Bravo! Bravo! C'est vraiment gentil à vous de nous gâter ainsi. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous. Partie de ping-pong, jeune beauté. En voilà de jolis yeux. Quand on veut quelque chose, on l'obtient toujours. Ah, j'allais oublier celle-ci. Un jour, j'ai réussi à nous secourir tous alors que nous étions prisonniers d'un navire sur le point de sombrer. Billy m'a aidé un peu, bien entendu, mais c'est moi qui ai fait tout le travail. Tout est bien qui finit bien, mais nous l'avons échappé belle. Vanda a presque réussi à salir ta bonne réputation. Par contre, ma réputation de joli cœur n'a jamais été remise en question. Non, alors. Oh, mon ananas. C'est parce que Tsung a gardé confiance en moi que tout finit bien. Désormais, il faudra jamais oublier ça. Tendons toujours la main à nos amis, en toutes circonstances.